Voilà, donc après une sieste bien méritée, nous allons donc, bonjour à toutes et à tous, commencer à faire le travail du jardin fleuri. Comme vous pouvez le remarquer, ma nièce est très enthousiaste, en pleine forme. Ça va, Lisa? Oui. Alors, c'est quoi ton taf, toi, dans l'immédiat? Ranger du plastique. Ah, donc ranger du plastique, je vous explique. Voici donc le lieu merveilleux qui va devenir, mais enchanteresque. Et voici tous les vieux plastiques de l'époque qui ont été enlevés. Et ça, ça va être en devenir. Ça vous donne juste une petite idée. Donc évidemment, ça demande un petit peu de travail. Alors à cet endroit-là, il y avait déjà deux pêchers. Tiens, petit tour dans le potager, voilà vite fait. Il y avait deux pêchers que j'ai défaits et je ne me faisais pas l'idée de les foutre en l'air. Alors c'est pas du tout l'époque, ça se fait pas du tout comme ça. Bim, j'ai fait un trou, j'en ai renterré un là et un autre ici. On verra bien ce que ça donne, je les arrose tous les soirs, je leur fais des bisous. Ouf, Varole, les gens au travail. T'as pas des gants? Des gants, si, dans l'atelier, mais c'est pas ça là, hein. C'est de la terre. Essaye de les rouler pour pas que ça prenne trop de place. Non, mais vraiment, vous avez remarqué, du bout des doigts le plastique, c'est de la terre. Hein. Quand je vous dis, toute son éducation, c'est tout à refaire tous les ans. Non, mais là, ça va pas rentrer dans ta brouette. Hein. Ah! Bon, moi je dis rien. Je vais m'atteler à finir ce que j'ai à faire. Allez! Ah oui, j'ai un super cadeau, je vous montrerai plus tard un cerf en bronze. De moi. Ou en je sais pas quoi. Alors, pour vous dire, le cerf est revenu en image sur mon bureau. J'ai fait déjà 2 semaines. Avec Flo, on doit aller faire un tambour. Elle va prendre de la peau de bison. Moi, je sais pas pourquoi, normalement, j'aurais pris de la peau de bison. Et la biche m'appelle. Et clac, ma soeur m'offre un cerf. Affaire à suivre. Bisous.